Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur Saïd, nous aimerions avoir votre réaction quant à au dialogue politique qui est en cours dans notre pays. À mon avis, je crois que nous sommes arrivés à une maturité politique que l'opposition et les partis au pouvoir discutent. Et je crois que c'est pour l'intérêt du pays d'abord qui est en jeu. Alors, il faut parler de tous les problèmes sur la table. Et je crois qu'avant tout, nous sommes tous des citoyens, que ce soit les partis politiques de l'opposition ou que ce soit les partis politiques de l'Union pour la majorité présidentielle. Moi, à mon avis, j'accueille avec vraiment une fierté que les Djiboutiens se mettent à table et discutent de tous les problèmes pour l'intérêt général de ces pays qui nous tient à cœur tous. Et il ne faut pas avoir peur de dialogue. Il faut dialoguer. Après, ça viendra les négociations. Et c'est du moment où c'est pour l'intérêt de nos enfants et de l'avenir de ces pays. Moi, je ne vois pas du côté vraiment un peu négatif ou pour certaines personnes qui aimeraient bien critiquer les choses tout en faisant rien du tout. Il faut parler, il faut dialoguer, il faut négocier. Et celui qui aime de ces pays doit dialoguer avec son citoyen qui est un peu différent à comment gérer la gestion de ces pays et se mettre d'accord sur un point de vue un peu central. Voilà mon point de vue. Merci, merci.